Envoyez le. Il aurait dû envoyer le champ. Wesh. Des monstres. Ok, oui, frère. Ils font le déplacement. Ils vont. Il se passe des dingueries. Ils donnent de la voix. Franchement, les gars, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai rien d'autre à ajouter. Les supporters parlent d'eux-mêmes. Il donne de la force à Saken. C'est vrai qu'il est dans une posture très difficile. Très très difficile. Ainsi que toute l'équipe. Hein. Parce qu'on sait que c'est des bons joueurs. C'est juste qu'on a. On n'arrive pas, frère. On n'arrive pas à le montrer. On n'arrive pas à le prouver. On n'y arrive pas, frère. On est tous ensemble dans ce rafio. Et on est On gros, peut pas perdre un match. Ouais, c'est ça. Si tu perds, t'es out. Tu perds un match, t'es out. T'as 3 games. Champion, frère. 3 games d'affilée, c'est tout. Bonne chance. 3 games d'affilée, faut gagner. Pas le pitcher là-dessus, moi. Sachant que jusque-là, c'est dur hein, à dire, hein, mais on a gagné 4 games en tout. Donc. Ouais. Allez, les gars. Les odds ne sont pas de notre côté. Brom Open. Brom est open en effet, ça sera un Lee Sin pour Sheo. Lee Sin, Nico, Rel, Zeri, pour Rel support, ok, moi j'aime bien, ok, oh, Brom, Brom Smolder. Attends, par contre notre compo, là il y a quelque chose. Hein. Bah là notre compo frère, parce que voilà. Brom Smolder c'est irréel, et le combo Va Italia j'aime trop. Hein. Va Italia c'est exceptionnel, là il y a de quoi de créer de l'espace, il y a du scaling à gogo. Talia qui revient pas mal quand même. Talia, personnellement, je trouve ça trop fort, moi. En plus, là, en face, je vois qu'il y a Lee Sin. Le retour du Jayce de Cabo. Il nous l'a prouvé à maintes et maintes reprises qu'il avait le passeport. Il y a eu beaucoup de Jayce aujourd'hui, en plus. Hein. Le retour du Jayce. Ils vont prendre Malphite, non? Bah là, du coup, on va jouer Strong Side Top, là. Il est ban, tu con. Ah, la ban, Malphite, on la ban. Qu'est-ce qu'il va nous jouer, Adam? On sait que Adam il va vouloir se battre. Le Dardar. Olaf.
Olaf, il va vouloir se battre. Là, il va y avoir du 2v2 top à gogo, frère. Il va y avoir du 2v2 top à gogo, les gars. En vrai, tu joues quoi là quand t'es Jay? Tu joues Phase Rush, non, contre Olaf? Ouais, je pense. Bah, Phase Rush, c'est la meilleure rune contre Olaf, je pense. Ouais. En général, hein. Après, en lane, je sais pas si t'en... si tu peux t'en sortir. Il y en a, ils vont peut-être jouer Conqueror. Mais de toute façon, les longs trades contre Olaf, tu ne veux pas de cette fumée. Ah ouais, hein. Tu veux pas ça, tu veux pas ça. Tu ne veux pas de cette fumée. Ah, dans Olaf, ça fait peur, les gars. On le connaît bien, celui-là. Hein. On le connaît très très bien, celui-là. Hein. Après, allez, les gars. S'il arrive à passer derrière en early, ça peut vite partir en couille. Hein. Bah, c'est ça. Derrière, frère, c'est ça fait ça. Rien. Bah, c'est pareil pour Jayce, en fait. En vrai, c'est pareil pour Jayce. Si Adam, il prend un lead en early, Cabo n'a plus de lane à vie, frère. Ah, oui. Et Jayce, ça ne sert à rien quand t'es derrière. Tu dois au mieux être even, frère. Au mieux être even, et après, tu peux poke. En tout cas, dans l'état de la game. Ça va jouer top, je pense, en vrai. Bah là, c'est 2v2 top, là. Là, y'a pas le choix. Hein. Ah, y'a pas le choix, là. Oula, attention, pas d'invade bizarre, j'en supplie. BDS, faites pas des trucs comme ça, frère. Et après, Targa, il va le voir sauter, il va partir. Ok, non c'est bon. Et nice. Ouais, mais s'il se fait CC, il est placé. Il va claquer un flash. Allez, les gars. Allez, les gars. Faites-le pour eux. Allez, allez. Notre premier smolder en LEC. On va en profiter un peu. Allez, la team. Smolder, il n'y a pas de question à se poser. De toute façon, en plus, ce qui est bien avec Smolder, c'est que tu peux te faire exterminer en early ce que tu veux. Tu sais qu'il y a toujours... Ouais. Il y a toujours cette possibilité de comeback la game. Il va falloir bien stack hein, dès le début. On a le Brome en plus. Brome pour contrôler le Lee Sin. Le seul problème, ça va être ce Olaf, tu vois. Donc, c'est pour ça que... La clé de ce match, c'est vraiment d'exploser le Olaf dans sa lane et de gagner les 2v2 qui vont être faits au top. En plus, tu sens que là, il est là pour vraiment tuer la lane. Il joue Flash Ghost. D'habitude, t'as vu, c'est des ghosts un peu TP tout le temps. Ouais, Olaf. Ouais. Ah, il veut tuer, frère. Ah, normal, en vrai, Olaf, t'as pas le choix. Pas important, je trouve. Tu peux des fois prendre des TP en te disant que tu vas gagner même sans le flash. Mais là, avec le flash, il suffit qu'une hache touche level 1, 2 et... Ça peut partir, attention le trade bot lane, le stun, c'est bien, magnifique, on prend des stacks hein. Comme ça, elle pourra pas se rejeter hein. Ouais. Allez la team. Il faut un maximum de stacks sur ce dragon. Attention, passage level 2. Il y a un flash qui va partir, fallait peut-être flash out. Le stun, flash out maintenant. Ice qui va pas flash in. Ok, ça va, flash pour flash. Malheureusement là, Targamas il a pris la foudre. Il va devoir régène, il va aller warder le tribush. Il a peur d'un dive potentiel du Lee Sin. Comment le match-up au mid, Nico, elle gagne, c'est ça? C'est horrible pour Talia au début. Hein. Ok. Ah, attention au gank là. Attention, Chéo, il a un bon timing. Flash in, le caillou, flash out. Oh. Et ça va suffire, ça va suffire. C'est le first blood qui est récupéré sur ce gank niveau 3 de la part de Chéo. C'est chiant. C'est chiant. Il n'y a plus de flash sur nuke. Il n'y a plus de flash sur nuke. On n'a pas été assez. On n'avait pas de ward dans la river. Ni de ward dans la jungle de Chéo. Donc on n'avait aucune info sur ce Lee Sin. Nuke il a bien joué hein, son flash E. D'ailleurs il était complètement cuit. Cabo domine bien sa lane là. Il est pas en risque il de mourir. Cabo, là. Il a bien chunk Adam. C'est qu'il est full life et tout. Il a un biscuit. Il est tellement bien. Ouais il est bien. Il a encore sa potion en plus. Hein. Ouais. Faut juste qu'il fasse gaffe au all-in parce qu'il est loin de sa tour donc le faire ghost. Le full clear a été effectué par Bo. Le cas il est topside, le crab a été récupéré. Là c'est juste Haken, il doit survivre là. Ouais, il ça va Haken, être le plus il doit plus survivre, dur, on va récupérer la vision sur Chéo. On n'a pas la prio mid, hein. Il y a des bots en deux sur nuke donc attention. Ça se voit, hein. Il le froisse. Il y a un smite ou pas? Il n'y a pas de smite des deux côtés. Nuke qui va commencer à bouger, Chéo qui va venir se battre. Attention, flash out. Y'a pas de flash sur nuke hein. Saken qui arrive, oui. Y'a pas de flash sur nuke. Y'a pas de flash sur nuke. Le kill est récupéré par Bo. Magnifique. Allez, c'est bien, c'est bien. Ah, le flash était parfait. Le flash était parfait, ça rééquilibre directement cette game. Allez, Bo. Allez, Bo, j'aime bien là. Là, c'est de l'agression, mais contrôlée, tu vois. On part pas en couille, frère. Ouais. Là, Chéo, il décide de revenir. Bon, il lui met le bon trade, il flash le E obligatoire, il charge son Q-spell pendant ce temps-là. Chéo obligé de flash out parce qu'il y a Saken qui arrive. Saken qui met le combo sur nuke. Cabo qui suit. Premier sur le move. Bien joué, ça. Mais sur le rap. Attention. Combien de stacks là? 19 stacks.
Il faut les 25 déjà pour la première amélioration. Ah, j'aurais pas dû la tenter celle-là, les gars. Désolé, je me suis laissé partir. Désolé, désolé. Les anciens, on l'arrive. Le double kill était pas loin. Ouais, le double kill était pas loin, mais il y avait encore le flash sur l'Elixir. Difficile d'aller chercher un kill comme ça. Attends, il fait le Drake. On a la vision. Hein. On va le laisser. On va le laisser. On va aller chercher les Void Grubs. Ouais. Level 5, beau. Hein. Il est très très bien dans cette game avec sa vaille. Dire qu'il va pouvoir être ultra agressif. Peut-être un gank top aussi qui peut tomber avant le level 6. Là, je vois Adam. Oh, il est bien avancé. Après, il est Noard. Focus, focus. Ouais, lock in le chat. Ça va être Drake plus Crab pour le Lee Sin. Il est trop heureux dans sa vie, frère. Tellement bien. Après, beau, il est trop bien là aussi. Ouais, beau, il est royal là. Il est royal. Void Grubs avec un Jace et tout qui domine sa lane, c'est pas mal hein. Ouais. Hop là, il sait qu'il peut prendre les 3 vu qu'il y a une ward sur ce Drake. Juste attention ouais, en mid lane. La Brov qui prend toute la vision bot side, ils ont bien lu le jeu. Il y a le flash X-Tech, faut faire gaffe hein. Ouais, et là Targamas qui lit bien aussi le jeu hein, il bouge hein. Il va y avoir un 3v3 mid là. Ok, Saken qui space oh, bien, il y a Bo sur Sheo. Targamas qui est là, hein. Targamas qui est là, après il joue Brov, il pourra pas non plus inventer quoi que ce soit. Après si on passe à commit, le Brov là il devient surpuissant. On a level 6 de Saken, on va mettre la pression directement au Vrace. Pas assez de dégâts pour le smite, dans tous les cas il n'y avait pas de smite pour Sheo. Sheo qui va face check. Oh, on n'avait pas la vision, on pouvait pas savoir, ouais. On avait le trinket qui le montrait. Oula, attention Bo, c'est récupéré, level 6 pour la Nico. Il va complètement se rater nuque pendant ce temps-là, Bo. Il se tabasse, Bo, qui va sûrement tomber. Saken qui aura pas les dégâts pour suivre. Le combo qui est raté. Regroupez-vous. Ah, il peut pas venir. Cabo, peut-être qu'il va descendre un Cabo, petit peu. Cabo, ouais, Sheo, il va suivre. Ça touche pas, heureusement, oh, la move speed. Ah, il va vite avec ça. Ça fait juste un kill. Dommage. Cabo, c'est pas la faute de Cabo, les gars, là. Je pense pas que c'est la faute de Cabo. Le move, il est fini. Le temps qu'ils viennent, en fait, c'était. Ah, oui, ils auraient pu extract. Et Cabo, là, on lui demande un job, c'est de continuer de snowball sa lane. Ouais. De continuer d'apprendre des ressources, de surtout pas être en retard dans cette game. S'il est en retard, on est dans la merde. Là, c'est que un kill. Il y a là et Olaf qui avait un reset. Là, s'il vient, il prend un chunk et tout. Les gars, sa lane, elle est finie après. Sa lane, elle est finie. Ah, c'est dommage. Là, on aurait pu en tirer un peu plus. Je pense vraiment que Bo, il doit jouer autour de Saken. Et pas Saken qui doit jouer autour de Bo parce que la Talia, elle peut pas follow up une vaille. Alors que ah, s'ils arrivent à se setup bien. De toute façon, ça va être beaucoup plus simple avec le level 6. Hein. Ah, level 6, c'est Ultiva, il y a le W de Talia derrière. Allez, les gars. Ah, c'est juste un kill. Oh, c'est rien, c'est rien. On est bien, on est stable en bot lane, très très stable. Il y a un Kull en plus qui a été récupéré par Upset. Là, il va pouvoir. Skate. Ouais. Attention, Targamas, il va mettre la marque. Il faut l'aider. Il y a Bo qui arrive, il a un flash. Très bien joué, hein. Il s'est pas collé au mur. Allez, malheureusement, il va tomber. Ça va être un kill pour l'Azeri. Et ça, il faut pas, ça, il faut pas, les gars. Donner des free kills sur Zeri comme ça, c'est. Oh, le timing est bon pour Bo. Okay. Est-ce que Saken peut suivre? Il a un ulti, Saken. Il y a, hein. il y a un ulti, attention. Il y a un flash, Bo. Faut flash out. Il y a un kick qui va partir, kick flash. Est-ce qu'il peut ulti sur le Lee Sin? Non, il va tomber. Là, on donne trop de free kills. Là, les gars, arrêtez. Bah, faut pas donner de free kill là. Puis on peut se battre là, on a des vailles level 6, on a des bromes et tout, faut jouer ensemble les gars là. Faut jouer ensemble. En plus, on a Smolder Jace, on veut juste scale tranquille. Ils ont pas le droit de récupérer un kill bot, de revenir au mid et de prendre un kill parce qu'il y a la rel. Parce que là le 2v2 il est gagné je pense hein. Ouais. Attention, top. Targamas. Non. Il a plus de flash, il a flash out juste avant. Non les frères, on donne trop, on était bien encore, je vous en supplie les gars. On était bien d'enculés, même si on a Smolder, ce que tu veux, c'est pas une raison pour tout donner comme ça, les frères. On était bien, les gars, vous avez pas le droit de jeter ça. Oui, on donne trop de free kill, en fait. Encore le kill au tribush là-bas, au niveau des vrais, pardon. Y a rien, c'est, c'est un 3v3, ça aurait pu tourner en notre faveur. Mais là, c'est 3 kills gratuits. C'est beaucoup, hein. Ça fait beaucoup et ça nous coûte l'early game 2-0 Zeri, alors que... C'est passé rien en bot lane. C'est absolument rien. À part au level 2, frère, c'est tout. Attention, Adam qui va récupérer une plate. Il va égaliser. Face à Cabo. Cabo qui revient sur sa lane.
Il y a toujours le Ghost Flash disponible pour Adam. Il va commencer à être de plus en plus dangereux pour Cabo. Voilà, il a l'établi bot rang 2. Allez, la team. Il a team pas trop de risques, là de toute façon on a un bon scaling, hein. On les a outskill de Zenzin, il y a juste la Zerif pour qu'elle soit sur un... Ouais, Cabo, il a son flash, il va dash in, flash out, flash in de la part d'Adam, il n'a pas flash directement. Ouais. Et là la Brov qui est absolument partout, on perd des plates au bot aussi, c'est pas normal. On perd sur, sur tous les côtés de la map. Il n'a pas le droit de faire ça, Ice, hein. Il a pas le droit de faire ça, bah non il a pas le droit. Allez. De faire ça, il y a un shutdown, hein. Il y a un shutdown, faut pas rater le caillou, flash out. Tranquille, jouez slow, vous l'avez. Ok, flash in la part de Saken, shutdown, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va prendre le Drake, ils ont pris les Void Grubs, ils vont vouloir le fight par contre, hein. On a claqué beaucoup, Upset il est low, il n'y a pas d'ulti. On a un Talia qui peut TP de toute façon. Ouais. La Talia va TP instant. Au pire ça sera un 3v3. Ah, c'est bizarre, hein. Elle est loin la Talia, elle a TP au mid en plus. Ouais, ok, au moins il a eu le Drake. Est-ce qu'il peut flash out? Non, il sera mort, il sera mort. Il sera mort. On a le Drake. Et le Drake, c'est super important avec Smolder. Parce que ça va t'acheter du temps. Ouais. Ça va t'acheter du temps. Il est combien au niveau stack? 78. Je pense qu'il est ok. Il va perdre son bot side maintenant, beau. Ah, c'est trop frustrant là, l'état dans lequel on se met, genre vraiment déjà que les choses sont pas faciles, on se les rend encore moins simples. On se met des bâtons dans les roues en fait. Ah, c'est même plus des bâtons là frère, c'est... Des échardes? Des énormes échardes frère dans l'IEP là, on peut plus marcher frère. Je te jure. Je te jure qu'on était bien de fou malade. On avait l'early avec une compo qui scale. On allait avoir un mid game un peu difficile contre Nico, Lee Sin, etc. Une fois qu'on passe ça, après c'est fini avec notre compo. Ouais, c'est ça. Et attends, là, on est en retard de fou malade. Ouais. Le gang de la Brov qui a mis bien Adam sur sa lane. Cabo qui va trouver un peu de poke là-dessus. Allez, les gars. Il y a combien? Il y a 3000 gold d'écart à 12 minutes. Quand même cher. C'est quand même très très cher. Ouais, faudrait continuer d'essayer de fight topside. Faire gaffe, on voit rien au top. Ouais, on a aucune vision. Et là, le truc, c'est qu'on va fight bot side. Ah, là, Cabo, il doit se barrer là. Cabo, il sait, je pense. Non, te rapproche pas du mur. Il est mort, c'est Jace. Ah, quoique, le phase rush, si il meurt, il y a le kick. Ils vont même laisser le kill à Adam. Non, Chio va récupérer le kill. Tu vois là ça c'est des 3v3 qu'on devrait prendre, qu'on devrait être là sur ces timings, ouais, après on va donner de l'argent à Smolder, du temps à Smolder. Ouais. On des plates, upset, je sais pas s'il en a pris une ou deux, une. Mais bon, c'est dur là. C'est dur, on n'a pas la bonne lecture de jeu. Ils ont toute l'info sur notre topside. Et là maintenant Adam il s'envole. Il y a 4 menaces en face maintenant. Ouais. Allez la team. Allez. Allez les gars, allez. Commencez avec la vaille avec la Talia. Faut être proactif sur la map. Il a pris tellement de plates au top. Cabo il était bien. Cabo était trop bien en early. On a trop donné, mais les gars, on a encore le dragon. On a encore le dragon, 95 stack là. Il lui faut les 125 le plus vite possible. Et on a eu un Drake aussi, on a eu un Drake. Mais je voulais pas être dans cet état où on compte énormément sur Smolder. En plus, on n'avait pas besoin. Bah ouais. On aurait pu être dans l'état où tout gagne et en plus on a Smolder. Bah, de toute façon, je pense qu'il faut fermer le jeu parce que c'est impossible qu'on gagne une teamfight. Ouais. C'est l'Herald, je pense qu'il faut lâcher ça. Smolder. L'Azeri elle back après, hein. L'Azeri elle back. Non, elle est partie. Ah non, c'était la Nico, je crois. Après, oui, dans les trucs comme ça, c'est bien. Là, non, c'est l'Azeri qui a back. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est vraiment le timing parfait là. Ouais. Que du coup, on va pouvoir récupérer des golds avec Stérald. Ouais, c'était bien l'Azeri qui backait. Nuke, il est en bot lane. Push le bot. Ils ont eu 6 plates contre 2. Ils ont eu 3-4 plates au top à la dernière seconde, frère. Un first blood tourelle facile à aller chercher. Là, on peut pas laisser quelqu'un solo en side.
contre le Olaf parce qu'il va se faire dive. Ah oui, 100%. Ouais, on va laisser cette tourelle là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'écart au gold qui va s'accentuer, mais. Faut qu'on fasse des trucs sur la map là. En fait, je veux bien qu'on ferme le jeu, mais faut pas non plus tout donner, frère. 110 stacks. Vraiment un maximum là. Faut gratter un maximum. Les supporters toujours là. Toujours là. Bo qui va récupérer son topside. Attention Targamas. Parce que le Olaf il s'en fout hein, du Brome. Avec son ultimate. Allez la team. Allez. 116. 117 il a eu avec son Q-spell. Attention Targamas a pas allé trop loin. Ouais attention. N'oubliez pas qu'on doit fermer le jeu. Hein. Fight 5v5 maintenant là. C'est pas notre avantage. Ouais, aussi, s'il se fait arracher, heureusement il a raté sa hache. Mais il l'a récupéré donc il va pouvoir en faire... Full. Est-ce qu'on peut tuer ce Olaf? Il est tout seul, je pense pas qu'on ait les dégâts. On n'a pas le DPS, on doit fermer le jeu la team. On peut se retourner sur Sheo, okay. Je pense pas. Il s'en est juste servi en escape, Bo. Tout le monde court. Ouais. Moins 2 gratuit. En fait là on est censé voir Olaf et avoir peur directement. En fait on doit jouer à l'opposé d'Olaf. Ouais bah c'est ça. En fait vu que on a troll l'early, bah ça y est, on peut plus jouer autour de oui, Olaf. Voilà, là on peut plus jouer, il faut respecter maintenant. On va jouer à l'opposé de ce Olaf, frère, à l'opposé total. Attention, il nous faut 3 items sur Smolder, Jace et Talia là pour jouer donc. Est-ce que là on a pas le DPS là encore? Vas-y, non, avec. Impossible. Avec un cabot, un upset, pourquoi pas, mais. Sans le Jace, sans le Smolder, il n'y a pas le DPS. Qu'est-ce qu'on fait, frère? Le Drake oublié, frère, n'y pensait même pas. N'y pensait même pas. Je te jure, là, le Drake, c'est. Voilà, faut penser à rien, là. Faut juste penser au dragon. Faut lui donner tous les camps de jungle, tous les trucs. Il y a que le dragon qui peut. Le Smolder qui peut nous carry cette game, y a rien d'autre. Ouais. Et lui, il abuse quand même. On peut, même pas, on peut même pas punir ce genre de move, on peut même pas punir. Mm. On est trop dans la merde là. Allez la team. Combien? 137 stacks. Les 225 paraissent si loin. Mais en vrai ça va, 140 à 17 minutes dans une game où tu perds. Saken qui se fait flasher. Ouais, il est mort. Il a pas de flash, il a le Séraphin, en vrai ça va. Hein. Oh, il est tellement mort frère. Je le voyais tellement mort. Je pense à Adam avec son ghost, il y va à 100%, mais sans le ghost, il se dit. Ouais. Il y a un backup derrière, il donne un. Il a même pas de shutdown, frère. En vrai, que le Olaf n'ait plus de flash là, c'est bien, ça nous achète du temps un peu. Ouais. Taken, en plus, il est même pas derrière là, il y a 300 gold de retard, c'est rien. Ouais. Façon Liandry. On a tellement de gold de retard sur le top. Ouais, c'est top jungle top en fait. Top jungle, AD aussi. Hein. 1200 gold quasiment. Il a deux items là déjà. Ice sur Zeri. Allez, la team. Ça va, on perd pas la T1 mid encore. Ouais. On a toujours un Herald à essayer d'utiliser, mais. Y a pas trop. Quand t'es en retard comme ça, c'est dur d'inventer des Heralds. À part le mettre mid, je sais pas où je veux le mettre là. Il y a pas trop d'Herald à mettre. Ouais, là c'est un peu au pif. Là peut-être sur Nuke. Il y a une pink, il y a de la vision partout. Faut tout reclear ensemble. Attention Targamas, attention, il y a Bo derrière lui, mais vous êtes vu. Si on est vu les gars, c'est pas bon les frères. Hein. Déjà si on n'est pas vu, on sait pas si ça va marcher. Alors si on est vu, faut oublier toute tentative. Ils vont venir deny les Brace, même ça ils nous laissent pas frère. Allez les gars. Continue upset, continue. Prends des stacks, ulti sur la mid wave. Il n'a pas réussi à totalement la clear parce que c'est une wave canon. Mais c'est bien. C'est bien, en vrai c'est bien. Là on arrive à stabiliser un peu tu vois. C'est comme ça qu'il fallait jouer dès quand c'est parti un peu en couille. Genre on est mort 2-3 fois et...
Parce que c'est fait maintenant. C'est fait maintenant, là. Yola fait bot, on veut tenter un fight top, j'aime bien déjà. L'Hérald, dans tous les cas, on pouvait pas s'en servir. Wesh. Toad, je t'en supplie, frère. Il va tellement sauter. Il a été son flash, le Hérald, frère. Attention, bro, attention. On arrive top. Y'a pas de TP sur Adam, y'a pas de TP sur Adam. Y'a pas de TP sur Adam. Allez, faut aller. Sur Nucléar, y'a Sheo aussi. Le combo sur Nuke est bon. Est-ce qu'on a les dégâts? Oui, on a les dégâts. Shutdown. Bon, qui va tomber un pour un. On a pris la T1 aussi. Attention à Ice avec sa Zeri là. C'est bien, on lui met pas mal de poke. Ouais. Adam, il arrive de la base. Sheo qui veut go sur Targamas. La réelle qui va flash in. Elle aura pas grand chose. Targamas, le bon shield. La Brof qui va tomber. Ouais. C'est bien. C'est bien. Attention, Adam, il est sous Ghost. Oh mon dieu. Cabo qui TP, il a pas de CC, frère. Magnifique, il a pas de kick. Ah, ils ont les dégâts. Ah, il est mort, non. Ils ont les dégâts, c'était bien joué. Beau réflexe. Malheureusement, ils ont eu les dégâts. Bien tenté, ouais. Taken qui. Attention, frère, voilà, tente pas. Il est... C'est Olaf, wesh. Ça fait trop peur, Olaf. C'est Olaf, bon, la Thalia, elle a pris énormément de gold, là. Ah, il a son viandry, la Taken, je pense, à la base. Allez les gars, c'est comme ça qu'on a dû jouer depuis le début, mais c'est pas grave, comme on a dit, c'est fait, c'est fait. C'est fait. Maintenant, faut essayer de continuer de trouver des opportunités pareilles. Y'a plus de flash sur Nuke en plus, hein. Plus de flash sur Nuke. Labo, il peut pas survivre face à la Zeri, impossible. Là, j'étais terrifié sur le flash de Rel, frère. T'as fait trop peur. On a plus de flash sur nos carries par contre là. Et Adam il va bientôt récupérer le sien. Et l'ont cramé direct hein. Il y avait un petit timing là où il pouvait pouvait se barrer. Allez, on revient en live. La T1 mid qui va être juste rush. Parce qu'il y a le Nashor, on fait une erreur, c'est Nashor. Smolder. Combien? 188 stacks Smolder hein. Ça avance, ça avance. Petit à petit. C'est bien, là au moins on se bat un peu pour la vision. Saken il va push la T2, il a son Liandry, deux items sur Smolder aussi. Ouais. Il fait quoi là? En vrai là dès qu'on a les stacks, no joke, on peut se battre. Ça joue. Et là regardez l'importance du Drake de tout à l'heure. Non, non, non frère. Ah mais il est mort hein. Non mais pourquoi wesh? De toute façon la T1 mid elle est morte. Mais moi juste aller au Nash après la T1 je pense hein. Par contre non il signifie le Drake. Mais... Sous leurs yeux. On va devoir défendre le Nash encore. On peut défendre. Hein. Y a pas d'ulti Olaf, on peut défendre. Ah, le Lissine il est pas là encore. Pas de flash Rel, on le sait. Ah, pas de flash est... Nico. C'est pas une position confortable. Ça va être dur, pense, hein. Ça va être dur, mais. Là, y'a Lissine qui va arriver dans notre cul. On le voit. On veut le cut de la rota, mais Lissine, un champion avec une énorme mobilité. Ah, on va devoir laisser. Oui. Hein. On va juste laisser. On veut... Il va juste Ah, ouais, c'est trop dur là de fight. Juste donner pas de free kill en plus. Ouais. Juste courir direct. Donner un Targa peut-être. Ok, ouais. Bonne ulti. Ok, j'aime bien. On a pas d'ulti Smolder, non. Attention. Mais c'est bien. Oh, ok. Tu vois, en fait, le problème c'est que normalement ils auraient dû galérer à faire le Nash. On aurait pu avoir un timing dessus. Et là, c'est gratuit en fait. Ils ont aucun effort à faire. C'est déjà offert. C'est cadeau. Allez, déjà qu'on était dans une belle merde. Mais alors elle était belle hein. Là maintenant ça va vraiment être dur. Comme je l'ai dit, on a sur Smolder et le fait d'avoir ce Drake là, ils auraient pu avoir la soul. Du coup on a pu acheter un peu de temps. Ah, il est complètement cuit là-bas. Là il a pas de flash. En tout cas ça sert à rien là, même avec un flash il meurt. Ah là c'est pas. On va essayer de défendre comme on peut hein. Là c'est bizarre parce qu'en fait c'est même pas comme si on tentait des trucs qui. Ah c'est tu on dis se... on a tenté, ça science, marche. Là. Oh non, c'est genre vraiment venez. Un don. Un don. Concept gift. Ouais. Faire la T2. Ouais, le T2 va être dur à défendre aussi. Allez les gars, mais là c'est dur là frère, oh là là là. Ah, je comprends pas les frères. Avec le Nashor c'est trop dur. Hein. Ouais, avec le Nashor. Ils ont encore une T2 à gratter au top.
Ça va bientôt faire 10 000 gold d'écart. Mais on a Smolder. On a Smolder, on a Jace, on a Talia, un petit Cyril d'Atop et... On a Smolder. Il y a un monde encore, il y a un monde. Ce petit dragon là. Ce petit dragon, il va devoir faire une game life. 220 stack. Smolder soigne pas tout. Ouais, mais si on doit se reposer sur un truc là, on a déjà vu des Smolder faire des... Après, Talia dans leur compo, quand elle a des items, ça arrache aussi. Hein. Mais Saken, il est pas si mal dans sa game. Il est pas si mal, non, non. Il va faire la tourelle dorée, ok. C'est bien, c'est bien. On a pris une tourelle dorée, c'est bien. Mais bon. Tour dorée, la T2, de toute façon, elle est indéfendable. Ouais, ouais, il faut juste défendre les T3 là. Il a les stacks ou pas? Il a les stacks, upset. Il a les stacks. Tu vois là, si on avait pas troll la game, ah oui, on avait pris Drake, là on aurait les stacks pour la soul. Là on pourrait se battre. Ouais. Là on pourrait se battre. Mais non, on va se battre avec 10 000 gold d'écart là. C'est ça le problème, frère, c'est ça. C'est que là fallait temporiser, fallait tranquille. Fallait tranquilliser la game. Une complete game. C'est ça, mais bon. On est encore là, les gars, on est encore là, on est encore dans cette game. Le dragon, il a ses stacks. A chaque fois, on se prend des dingueries de la part de Smolder, donc... À nous d'en faire. Hein. À nous d'en faire. À nous d'en faire. Allez, faites-le pour eux. Regarde, ils sont en train de tout donner dans le public, frère. Je te jure. Allez, la team. Du début jusqu'à la fin de l'année, mais ils vont tout donner, frère. Arrête jamais, frère. Laissez-les exploser de joie à la fin, les frères. Tout ce que je vous demande. Tout ce que je vous demande. En vrai, ça fait, il a 3 items. Hein. Ouais. Il nous faut 3 items Smolder et après, les carrés, ils auront les dégâts. On aura les dégâts, quoi. Plus les minutes passent, plus c'est bien pour nous. Là, on a une trop bonne compo en late game. Ouais. De toute façon, ça va être juste un ulti et bonne chance après. Là, beau frère, je vais pas te mentir. Non, lâche les vrais, mon frère. T'as vu, c'est trop dangereux. Ça va, là, ils ont pas commit. Ah ouais. Là, c'est juste vraiment, c'est 2500 PV qui. Où il doit prendre des dégâts. Troisième item Smolder. Continue de le laisser stack. On n'aura pas d'item défensif encore. Ça va plus pour le 4ème. Ça va pour le Jace. 20 secondes le Drake. Bon, on doit fight avec 10 000 gold de retard. Mais je vous jure, c'est les 10 000 gold. Il y a des fights 10 000 gold de retard. Tu sais que t'as perdu. Ouais, là ça va. Là en vrai, on a les gold sur le carry. Faut juste pas que ça Saken meure. Peut-être sur Adam là, il y a peut-être un truc à gratter. Non, je sais pas. C'est sur le problème, c'est que il va se faire turn là. Il va se faire ulti Olaf et. Et il y a un super. Dommage, le combo il passe pas. Ça aurait peut-être pu forcer l'ulti gratos. Ça aurait chunk. Ouais, ça aurait chunk un peu. Ouais, soit il aurait pris le chunk, soit il aurait forcé l'ulti. Ouais, ils ont pas de pokerie en face, faut juste essayer de jouer slow et laisser la Talia placer ses cailloux. Attention à nucléaire par contre. Hein. Ouais, attention à nucléaire, là il est en train de trouver un flank, les gars. Ouais, on a une ward ou pas? Ouais, mais elle est cancel la ward là. Non, on a une pink en bas. On a une pink, ok, carré. Ah, beau de toute façon. Bon, il va voir Adam, il voit nucléaire, il va go sur nucléaire, okay, faut pas laisser upset tranquille, c'est bien. Il a pris très très cher, Adam. Il a pris très très cher. Attends, on a eu le Drake, j'ai pas vu. On a volé le Drake. Mais upset, tu peux pas taper là. Upset, tu peux pas taper. Upset, il peut tuer, non? Non, il peut pas. Pas du tout. Il peut pas, c'est fini. Putain. C'est pas abattu. Ah, c'est. Frère, je regarde le teamfight, il y a 15-1v1 en même temps. On est tous dispatchés sur la map. On est tous dispatchés, on a un dragon. On a un Smolder, il y a que lui qui peut. En fait, faut que Saken et Upset ils soient collés ensemble, frère. Et que tout le monde gravite autour d'eux. Et que tout le monde gravite autour d'eux. Là, c'est vraiment des cadeaux. Que des cadeaux, hein. Tu regardes les 6-7 premiers kills qu'on donne, c'est des cadeaux. C'est vraiment des cadeaux.
Ouais. Les cadeaux. Et vraiment, venez, venez, bah vas-y, tiens, installe-toi, mange, prends ce que t'as à prendre. Y a pas de souci, et reviens dans 5 minutes et t'auras d'autres cadeaux. Ouais. Oh, je suis dépité. Ouais, de toute façon, il y a des games où on aurait dû les gagner dans le split, hein, ça c'est sûr. Hein, y a... Je peux pas, dans League of Legends, donner autant, frère.